ce qu'on aime sur une pièce qui n'a pas encore été restaurée, ça peut être un détail, ça peut être une poignée, ça peut être la matière, une texture, ça peut être un bois. Nous recherchons des meubles qui génèrent une émotion et en captant cette émotion, on la transmet à nos clients. Nous sommes Vincent et Arnaud. Nous sommes les propriétaires du Grenier. L'histoire du Grenier, c'est l'histoire d'abord d'une amitié entre Arnaud et moi. On a eu la même idée au même moment. On a uni nos forces et on a créé le Grenier. On est toujours là après 21 ans. J'adore assister à la réparation des meubles parce que j'ai l'impression d'être un sauveur de meubles. C'est important de trouver des nouveaux clients parce que c'est le moteur de l'entreprise. Les gens peuvent voir nos nouveautés sur Google et ils savent que chez nous, ils trouveront ce qui leur plaît. C'est comme si c'était la clé pour pouvoir rentrer chez nous. Nous aimons avoir de retour nos clients et la possibilité de leur répondre rapidement. Google crée l'union entre les internautes et le grenier. Et pour moi, l'union fait la force. Je pense à un client, par exemple, qui garde nos meubles 3, 4, 5 fois par jour, on a l'impression. Ouais. Il est sous addiction. On doit lui donner un traitement. L'objectif du grenier, c'est de continuer à vivre notre passion commune et continuer à la transmettre.